Salut tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien. Vous kiffez à chaque fois toutes les vidéos que je fais sur les élèves français, donc merci beaucoup encore une fois. Ceux qui kiffent, n'hésitez pas à laisser le maximum de likes et on est parti, juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Donc pour cette vidéo, je suis accompagné de Ced, de Dylan, de Zero et de Jifit. Salut les gars. Salut tout le monde. Vous allez bien? Salut tout le monde. Ça va très bien et toi? Et bah écoute, très très bien, très content de faire cette petite vidéo avec vous. Bon bah du coup, on est parti, on se retrouve du coup dans nos fermes. Je suis donc avec le petit Dylan, enfin le grand Dylan du coup, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, petite vidéo entre nous. C'est vrai qu'on a, je crois qu'on a, si on a déjà fait des vidéos entre nous, mais pas sur cette chaîne, c'est la première fois que tu viens. Ouais. Du coup, bah en avant, hein, en avant. Du coup, tu peux recommencer ta moisson. Les amis, alors Dylan a pété un câble tout à l'heure parce qu'en fait j'avais fait une connerie qui était de faire du soja ici et j'avais fait du colza à côté. Et regardez, en fait, c'est, voilà, il a galéré à récupérer en fait entre les deux. Je sais pas que ça veut, ça a bugué, ça sélectionnait mal. Bah, ça arrête la machine quoi, ça arrête de récolter, du coup voilà. J'ai oublié de décrocher pour réactiver. Donc en fait ça l'a fait chier, il a fait p***er de merde, on fait plus ça. Du coup, ok, je referai plus ça. Par contre, du coup, j'ai du soja, j'ai 15 tonnes les amis dans... dans mon Renault. Donc ce qu'on va faire, on va s'acheter un semoir dans cette vidéo, donc on va revendre l'ancien. C'est un semoir que du coup que je vais rajouter, c'est, je sais pas si tu vois lequel c'est. En gros t'as à l'avant, en gros c'est le pronto là, le Orch pronto. T'achètes, t'as la partie semoir et à l'arrière tu peux choisir entre semoir ou planteuse, je sais pas si tu vois. Ah oui, je vois. En gros là ça se détache. Donc il vaut 56 000 euros les amis. Ah mais attendez, bah non, 50 000 du coup. Et plus après on prendra la partie qui vaut 25 000 euros. Donc on en a pour du coup soit 5, 6, 7, 75 000 euros. Donc voilà, 75 000 euros pour l'instant, on les a pas encore. Bah après on va quand même récupérer l'argent en vendant du coup l'ancien semoir, dont on nous fera un peu d'argent. Ouais. Et en vendant la dehors la bête. Ouais, et le soja faire, aussi. Donc on va essayer de... Bah de toute façon vous verrez, si dans la miniature il y a le tracteur, enfin il y a le semoir, donc c'est bon. Vas-y, attends, du coup. Oh oui, t'as du soja. Il y en a partout du soja. Mais en vrai, j'ai essayé de faire le champ en deux, quoi. Parce que bon, sinon, ça fait trop gros, quoi. Enfin... Ouais, mais il aurait fallu faire une séparation. Oui, mais du coup, non. Alors, attends, vas-y, j'arrive. Vas-y, moi, je mets ma benne là, t'as qu'à vider. En attendant, ouais. Du coup, alors, attends. Alors, oui, j'ai acheté donc en live, les amis. Je me suis acheté une petite masse MX qui sont sorties. Donc, il y a une pelle et il y a une sorte de fourche qui est dans la masse. C'est assez stylé, les amis. Donc voilà, c'est bien sympa. On a l'épanneur pichon, mais du coup l'épanneur pichon est vide. On aurait par contre des cartons de poule à les vendre. Ah bah ça, écoutez, on irait faire ça. Parce que là, le moindre argent qui est à prendre, on le prend. Et il va falloir qu'on resème aussi toute nos cultures. Parce qu'on a tout moisson, enfin, mis à part des laines qui finissent. Mais tout a été moissonné, les gars. Donc voilà, en tout cas, bah, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Parce que toutes les vidéos que je fais sur cette série, vraiment, ça vous plaît. Et bah merci, parce que c'est vraiment, genre vraiment on tourne ça, enfin moi je le dis, hein, il n'y a aucune préparation avant le tournage. Alors que toutes mes séries sur ma chaîne principale, il faut préparer pendant des heures et des heures. Là j'ai fait, merde, là j'ai fait, allez on tourne, c'est parti, voilà, on a ajouté ça. C'est ça. Donc, mais c'est pas plus mal, voilà, petite vidéo sur le samedi, enfin le samedi. Mais tu vois qu'elle vous plaît, donc ça fait vraiment plaisir. Enfin mais j'ai coincé là, le godet dans la porte. Ah voilà, c'est bon. Putain, mais c'est pas possible ça. Ah les gars, je sais pas reculer, voilà c'est bon. De toute façon, on a plus de fumier, donc l'épandeur va rester ici, le petit épandeur pichon. Voilà. Ah, mais du coup, attendez. Alors, forcément, ceux qui n'ont pas vu, même Dylan, tu l'as pas vu la Sheetmaker qu'on a gagné? Non. En gros, non, on a gagné une autochargeuse qui valait pile 100 000 euros. Du coup, Jifit va forcément gagner. Bah, lui, Jifit a gagné un tracteur, donc voilà, vous irez voir sa vidéo. Ah, bah, d'ailleurs, le coup là qu'on a eu, c'est le tracteur là. Donc, Jifit a gagné un tracteur de 180 chevaux max, je crois. Et du coup, nous, on a gagné un véhicule, enfin un outil de maximum 100 000 euros. Et elle vaut 100 000 euros tout rond, vraiment 100 000 euros 00. Donc, bah, du coup, on se l'a acheté. Et on a vu que du coup, on pouvait. J'ai un petit coup de karcher là. On a vu qu'on pouvait auto-charger de la paille, de l'herbe, tout ce que tu veux, du foin. Ouais. Et directement le décharger sur la zone de vente. Ouais, je vois. Ouais. Donc en fait, bah, on va faire ça et c'est nickel. D'ailleurs, la zone de vente, les amis, elle est sur mon site. Vous l'avez, je vous l'ai mis d'ailleurs, bah, aujourd'hui. Du coup, pour vous, ce sera hier. Du coup, je vous l'ai mis du coup la zone de point de vente. Donc en vrai, voilà, vous pourrez aussi vendre vos trucs à un prix plutôt pas mal. Bon, du coup, je nettoie ça. Alors oui, je nettoie ça. Vous allez voir pourquoi je nettoie ça. Parce que tout simplement, j'ai labouré un champ et je savais pas. Mais en fait, alors. Le champ 54, c'est un champ d'herbe. Le prochain défi de cette série, c'est de faire 50 bottes d'herbe. Voilà. Le problème, c'est que du coup, ça c'était un champ d'herbe que j'ai du coup labouré. Donc il n'y a plus d'herbe. Parce que moi, ça disait que le terrain devait être labouré. Mais du coup, Dylan, tu m'as dit qu'en fait, ça ne changeait rien avec l'herbe. C'est pas une culture l'herbe. Du coup, tu m'as dit ouais, que ça change rien. Ça change pas grand chose. Tu as gagné quoi? Les 3 bottes peut-être, mais c'est tout. Quoi. Ah ouais, mais je pensais que ça faisait gagner vachement plus. Du coup, j'ai le seum. Bon bah voilà. Attends, du coup qu'est-ce que je vais faire? Bah attends, je vais aller vendre du coup l'ancien semoir.
Et après on va en acheter un nouveau, ça serait bien de pouvoir l'acheter dans cette vidéo, ça serait plutôt sympa. On vendra le Renault, je pense que le prochain truc c'est vendre le Renault, parce que comme même je pense que, alors c'est pas le même Renault qu'on a dans les trois fermes, mais il je crois que aussi celui-là il a beaucoup de, comment dire, il coûte cher aussi. Il coûte cher, voilà, il coûte cher d'entretien. Ouais. Donc bah du coup je vais aller vendre pour vendre ce mois déjà. Et le tracteur, on verra. Bah, si vous étiez, il y en a qui ont des propositions, n'hésitez pas à dire. Et aussi ceux qui ont des. Mais du coup, des, qu'est-ce qu'on gagnerait et qu'est-ce qu'on perdrait avec ce défi du bot. Parce qu'en vrai, 50 bots, va pas falloir qu'on chôme. Hein. Même si. Après, bon, on a de la chance, on a quand même beaucoup de parcelles d'herbe comparé à eux, je crois. Oui. Tu sais, on a la grosse là-haut, là. Donc. Ouais. Et en plus, on a épandu de la chaux, donc c'est nickel. Donc on va essayer de voir. Logiquement, ça devrait faire l'affaire. Peut-être qu'il y a du colza à côté, ils ont pas mal de colza à récolter. Mais je pense, après, il y a moyen qu'on récolte beaucoup d'argent quand même avec tout ce qu'on a fait. Attends, bah, du coup, voilà, c'est cette parcelle-là. Ah bah oui. Parce que là il y a le soja et puis après il y a encore la moitié en colza, donc ça devrait le faire. Hein. Ouais, et il y a deux bottes que j'ai oublié d'ailleurs, pas sachier, c'est pas grave, je vais les vendre après. Donc là on va aller voir déjà le semoir, je crois que je le vends. Alors on l'a acheté 35 000 celui-là, c'est un semoir de 4 mètres et je crois qu'on le vend, je sais pas, je dirais 20 000 peut-être, 25 000, je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment on vendrait. Oh, faut qu'on fasse le plein, mec. Ah oui, le plein. Alors le problème c'est que le plein on peut faire la ferme, mais l'atelier est pas la ferme, donc on va la réparer maintenant. Alors, la petite zone, elle est cachée ici. Vendre. Alors, non, pas le tracteur. Putain, 7000 euros, pas vendre le tracteur, non. Je vais vendre le semoir. Attends, autant le réparer tant que j'y suis. Je vais réparer le tracteur, du coup. Alors, réparer. 1000 euros. Aïe. Voilà, ça, c'est réparé, du coup. Donc, lui, c'est nickel. On le met là-bas. Bravo, c'est réaliste, Starvio. Lui, je l'approche. Alors, le semoir. Combien ça vaut tout ça? 30 000 euros, je le vends. Attends, je le répare pour 300 euros. Ça va. Je le vends 30 000 euros. Donc, bah, du coup, vendre. Let's go. Voilà, bon, il y avait 30 litres d'herbe dedans le semoir, mais c'est pas grave. Voilà, bon bah nickel. On va laisser le tracteur ici, comme ça je vais aller vendre mon soja. Et dès que j'ai vendu le soja, on est nickel. Alors attends, t'es où toi? Nickel, j'arrive. Bah, dans tous les cas, tout va pas tenir dans la benne. Hein. Je suis à 85%, donc vas-y, mais nickel. En vrai, je l'aime bien. Ouais, cette case, moi je l'aime bien. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien. Moi je l'aime trop. Hein. Là, alors après, on aurait. Oh ok. Allez, bravo Stereo. Mais en fait, ça bug là. Mais en même temps, à chaque fois, à chaque tournant, je me casse la gueule avec ce Renault. Attends, c'est pas réel, il y a une benne de 15 tonnes avec un Renault. Non, le Renault il meurt là. Oh là là. Bon, déjà, c'est pour ça qu'on va le vendre ce Renault. On va essayer de prendre un tracteur qui fait aussi balai de ferme, mais qui aussi est assez puissant pour voilà, pour tirer des bennes. Regardez-moi ça. Oh yes, l'argent va tomber, les amis. Attends, je vais dire où c'est que ça vaut le plus cher. Le plus cher, soja. Non, oui, c'est soja. 1300, 1004 à Cop Bioser. Et 1008, attends, 1008 là? C'est où ça? Oh, faut aller à l'autre bout de la map. Attends, bah du coup, yes, trop bien. Oh, bah nickel. Plein, je suis à 98, mais c'est bon, je suis bien, je suis bien, t'inquiète. Ah oui, c'est bon. Allez, on va vider, les amis. 17 tonnes, bah 18 tonnes pratiquement de blé, de soja. On est parti. En vrai, mec, on peut passer les 90 000 euros, hein, pas loin. Je pense. Oui. Oui. En vrai, ouais, attends, alors là-bas, il n'y a pas là les 17 000 qu'il y a. C'est pas que cette parcelle-là, c'est la parcelle qui était aussi à côté du concessionnaire. On a une parcelle ouais, aussi. Ouais. Donc, mais pas toute, hein. Il reste un fond de benne. Donc en vrai, ça va. Ça a quand même bien produit. Après, c'est du soja. Hein. Attends, il y a le plateau de barre de coupe ici. Voilà, on va récupérer tout ça. Du coup, ceux qui ont des idées de choses qu'on pourrait faire dans la ferme, parce que pour l'instant, on a des poules. Alors, des vaches, on va voir s'en acheter plus, parce qu'on en a que 4 ou 5 et ça produit pas assez. Hein. De fumier, on en a encore jamais assez. Du lait, on en a vendu, je crois, 8000, mais enfin voilà, ça a produit pas assez. Donc, on achètera, je pense, des poules, vous me direz. Des vaches, je sais pas ce que t'en penses, Dylan, mais. Parce que sinon, on gagne pas d'argent. Hein. Sinon, là, le seul revenu, c'est juste les récoltes, en fait. C'est tout. Et l'enrubané qui nous rapporte max de thunes. D'ailleurs, il y a un petit prêt ici qui me fait de l'œil là. Je pense qu'on va se l'acheter. En plus, ce qui est bien, c'est que ça vaut pas cher cette masse. Alors, mec, une parcelle d'herbe une grosse, ça vaut 10 000, même pas 5-6 000 euros. C'est pas cher, quoi. Vous savez que je vais au concessionnaire pour aller vendre du soja, moi. Ça va être compliqué, je pense. Il risque d'avoir un tas de soja dans l'atelier. Bon, ils vont pas trop aimer. Bon, du coup, c'est parti. Les amis, direction la COP Bioser là-bas. Attends, j'ai quand même vérifié si le prix n'est pas genre. S'il n'y a pas une grosse différence, autant aller à la COP à Grielle. Hein. Sinon, on va pas me faire chier d'aller là-bas. Combien c'est? 1100 et 1800. Ah ouais, non, il faut vraiment aller là-bas. Bon. Ok, bah c'est parti, les amis, du coup, direction la COP. Allez, les amis, du coup, on arrive. Alors, on va voir combien ça va nous coûter. Logiquement, c'est là où c'est que ça vaut le plus cher. Hein, donc, ça devrait être pas mal. Alors, le soja. Allez, est-ce qu'on passe les 90 000? Oh, mais largement. Largement. Oh, on est à dire. Mec, c'est sûr. On a même les 100 000. On a les 100 000. Oh yes! 32 000 euros la benne! Grave! Oh là là! Attends, je marque 32 000 euros. Comment ça peut faire? Euros la benne de soja. Ils vont faire. What? Trop bien! Voilà, bon bah nickel.
Donc on a 107 000 euros, les amis, on va s'acheter le summer tout de suite. Comme ça, on va pouvoir, ben, on va pouvoir directement... Ah oui, alors, effectivement, il y a un bug ici, avec la pipette de prélèvement, ça déconne. Il faut que je passe à côté, parce qu'il y a une collision sur la benne, voilà. Bon, ben, nickel, les amis, du coup... Tu penseras me la ramener, la benne, du coup. De quoi? Tu penseras me la ramener, la benne? Oui, ben, j'arrive, nickel, j'arrive. Et du coup, ben, dès que je suis arrivé, je vais acheter le summer, et on est parti. Ouais. Dylan, le champ que je t'ai dit, du coup, le champ d'herbe, est-ce que tu serais chaud pour qu'on se l'achète alors? Je sais pas trop si. Ah bah oui, carrément. Bah les gars, on a un défi de. Ouais, en plus, le truc, c'est que si on le fait le champ d'Orubanais, enfin, je veux dire, le champ vaut 13 000, tu m'as dit? 13 000, je crois. Ouais, 13 600. Voilà, 13 000. Et pour moi, un Rubanais, tu fais plus. Tu revends beaucoup plus cher, je pense. Donc, le champ serait remboursé en une coupe de. En une seule coupe. Donc voilà. Je pense qu'on essaiera de faire ça. Et là, ce que je vais faire, les gars. Donc, déjà, j'amène la benne à Dylan pour le colza. Et ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais demander à Jifit s'il serait chaud de s'acheter une ensileuse en Kuma. Enfin, à deux, en gros. Comme ça, on diviserait le prix à deux. Parce que, comme ça, ce qui ferait que l'enrubané, déjà, de base, ce serait l'enrubané que pour nous. Enfin, déjà, l'enrubané qu'on récolte, en gros, ça serait. Pour la vente, quoi. Voilà, on la vend directement. Et oui. L'ensilage, vu qu'on a un silo d'ensilage déjà dans la ferme, enfin, dans nos fermes, on pourrait. Comment t'as coupé ça? Ah oui, effectivement, mais what? Mais. Ah oui, mais c'est bizarre. Qui c'est? Ah, mais c'est Nico. Ah oui, en fait, le problème, c'est que moi j'avais semé en colza et Nico avait fait les bords de champ, mais en soja, parce qu'il savait pas que c'était de culture en fait. Ouais. Donc voilà. T'es plein d'ailleurs ou pas? Non, pas du tout. Non, bah je te laisse ce tracteur là. Alors, ouais. Les amis, le petit achat, on est parti, les amis. Go. Je suis content d'acheter un petit semoir. Alors, du coup, lui il est dégagé. Il y avait le petit sulky. Il est où? Donc voilà, c'est le Orch Pro. Le Orch. Non, pas Proto. C'est un SW et après c'est les protos, ouais ok. Ah, Pronto et Maestro, d'accord, nickel. Bon, on achète 50 000, alors du coup non, pas 50 000 euros. On va prendre, il y a le packer, enfin en gros le cultipacker qu'on peut mettre, qu'on peut enlever. Ça c'est les roues à l'avant, mais ça sert complètement à rien, 6 000 balles pour ça, ça sert à rien. Donc du coup je l'achète, donc c'est parti. Aïe, plus d'argent, encore en fait il nous reste encore 57 000 euros. Et du coup je l'achète, du coup la partie qui est la partie pour semer du coup. Il y a aussi la partie du maïs, mais pour l'instant le maïs, vu qu'on a le semeur en Kuma à maïs, enfin la planteuse à maïs, bon, du coup on l'achète pas. On verra si plus tard on se sort de la Kuma, mais pour l'instant on reste, ça nous fait économiser 25 000 euros. Voilà, c'est acheté, mais nickel, on va récupérer ça. On va le remplir, et on va commencer directement à semer tu sais quoi, je mets l'ouvrier pour aller commencer à semer un champ, je pense. Ou alors on le ramène à la ferme. Attends, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Soit on sème, soit on s'occupe de nos prés. Attends, bah, je vais regarder. Déjà, je vais remplir le semoir déjà de base. Il est stylé. Là, j'aime bien. Sympa, le petit semoir. Par contre, là, je me suis mal mis. Qui a mis une voiture devant là? Qui a mis ça? Déjà, le rendement, il y a du rendement ou pas dans le. Ouais, ça va. Bon. J'achète ta parcelle du coup? Bah, vas-y. Bah, au pire, t'as qu'à l'acheter comme ça, je vais directement la faucher au pire. Ouais, bah, nickel. Bon. Alors, attends. Ah, nickel. Du coup, voilà, 13 000 euros de moins, mais au moins, on s'est acheté une parcelle. Et aïe! Ah d'accord, le puits n'est pas transparent. Donc en gros ça nous fait que c'est celle, voilà, la parcelle qui est juste à côté. Donc c'est celle là qui est à nous maintenant, les amis. Et ça peut être bien. Et est-ce qu'on pourrait pas genre agrandir? Attends mec, j'ai une idée. Tu vois le champ qui est à côté, tu passes un coup de charrue. Attends les gars, il y a moyen. Alors attends, déjà on va le mettre en route. Ce champ là, si on coupe les... Ah mais c'est des faux arbres. Ah non, c'est des vrais. Ah non, il y a une culture, il y a une clôture. Ah non, dommage. Ah j'aurais voulu agrandir le champ, mais non, c'est pas possible. Bon, ah non, mais j'ai pas rempli mon semoir. Starvio, bravo. Bon, c'est pas grave, je vais prendre le JD, je remplirai plus tard. Comme ça, on va faire un peu de contenu bien sympa. Je sais pas combien de temps de vidéo on est, les amis, mais du coup, je vais attaquer, je vais choper la faucheuse, et je commence à les faucher. Mais si tu veux venir, tu peux venir avec moi, tu vas en donner derrière, comme ça on finira la moisson plus tard. T'as qu'à prendre le... lequel tu prends du coup? Merde. Parce que le Renault est à la... Il faut en donner... Bah, le Renault au pire. Pour en dénner, ça demande pas grand chose pour en dénner. Alors, moi j'ai posé ma fourche. Par contre, le Renault il avance pas vite. Je te réinitialise l'endenneur, comme ça il vient directement au concession. Et ça t'évitera de faire plus de route, parce que vu que le Renault il roule à une vitesse faramineuse. Si j'arrive à la sélectionner, oh non, j'arrive pas à la sélectionner, il y a trop d'outils. Oh non, j'arrive pas à sélectionner l'endenneur. Attends, il est où l'endenneur? Attends, je vais essayer de sortir de là. Alors, déjà, je vais décrocher ça. On va au concession. Faut que je décroche ma masse à l'avant. Oh, attends, il y a trop de trucs ici. Je suis perdu. C'est arrivé, je suis perdu. Putain. Hop, voilà. Donc la petite masse, elle est sympa. Voilà, maintenant on décroche ça. Ok, c'est bon. Et maintenant, je vais récupérer du coup l'endenneur pour pouvoir le réinitialiser. Et les faucheuses sont rangées là-bas, donc on est nickel. On va pouvoir commencer à faucher. Donc comme ça, on aura un Orubanais à vendre et ça sera plutôt pas mal. Ça nous remontera un peu niveau argent. Comme ça, on pourra du coup, ben, sûrement dans le live. Dans le live de... Ah, nickel. Dans le live de... T'inquiète. On s'en fout, hein, c'était le GN. Bon, allez.
Attends, il est où? Il est là, réinitialisé. Merde. Vas-y, réinitialisé. Oui. Est-ce que c'est bon? Attends, déjà, est-ce que c'est un... Je suis pas encore en possession, je sais pas. J'espère que c'est un... Parce qu'imagine, ça réinitialise, je sais pas où, dans un champ paumé, j'espère que non. Normalement, non, mais... Ah, bon, qui a mis ces faucheuses là? C'est moi, magnifique. Comme ça. Ah, mais au pire, pourquoi on irait pas... Enfin, est-ce qu'on... Attends, au pire, vous me direz dans les commentaires, est-ce que du coup, on est en ruban? Ou alors en auto-charge? Je sais pas. Enfin, c'est mieux d'en rubaner. Vaut mieux en rubaner. Ouais, vaut mieux en rubaner parce que comme ça, ça rapporte plus. Voilà, comme ça, on est bon. Ouais, du coup, on en rubanera. Donc là, du coup, je compte sur vous pour me dire, là, du coup, qu'est-ce qu'on. Les défis, du coup, qu'on gagnerait. Enfin, du coup, qu'est-ce qu'on gagnerait avec ces 50 bottes de. Ah, mais c'est pas dans le bon sens. D'herbe, je disais. Voilà. Il faut essayer de trouver un truc sympa. Donc, je pense que ce serait une parcelle et autre chose. Parce que, du coup, le premier a gagné un tracteur et le deuxième un outil. Donc maintenant, il faut trouver un truc qui soit. Ben, en fait, le défi de faire du tournesol, c'était assez simple en vrai. Et pour ça, on a gagné quand même des lots assez conséquents, on va dire. Mais qu'est-ce que tu fais, Stario? Attends, je vais arriver, hein, les gars, je vous promets, je vais arriver. Là, non. Là, voilà, j'arrive. J'arrive. Pas. Je galérais avec ma faucheuse, j'arrive pas à la télé. Allez, démarre. Voilà. Ah, mais. Attends, je te coupe là parce que là, je sais pas. Alors là. Là. Allez, je reprends la vidéo. Et encore, je vais oublier de couper, c'est marrant. Ça. Allez, 3, dingo. Ok, bon, ça y est, c'est parti, les amis. J'arrive. J'ai mis une heure et demie à atteler ma faucheuse. Elle était à tourner dans l'autre sens. Et puis je l'ai pris, je l'ai retourné dans l'autre sens. Enfin, bref, j'arrive, Dylan. T'inquiète pas. Donc, Dylan, du coup, c'est bon. T'as récupéré l'an dernier. C'est bon, il est au bon endroit. J'attends. Nickel, j'arrive. Du coup, on va commencer à faucher. Et après, bah, j'irai rejoindre G-Fit pour lui parler du coup de cette ensileuse. Ça peut être sympa. Ah non, au pire, sinon, vous allez dans les commentaires. Non, je sais. Vous allez dans les commentaires de sa vidéo et vous lui dites Sylphite, est-ce que Starve voudrait acheter une ensileuse? Est-ce que tu serais ok pour l'acheter en Kuma avec lui? Voilà. Voilà, comme ça vous dites ça, il serait content. En vrai, ça peut être bien. Hein, acheter une ensileuse. Donc, on ressèmera du coup ce champ là de labour. On le ressèmera. Bah, du coup, en herbe. Donc, je mettrai du lisier, enfin tout ce qu'il faut. Du coup, bah, je l'aurai labouré pour rien. Nickel. Merci Starve. Mais c'est pas grave. Alors, j'arrive. Nickel. Oula. Oh, what? Mec, mais aïe. Mais je te promets, mec, je te promets, je t'ai pas pensé dedans. Ça a capté, mais jusque la collision, voilà quoi. Ouais. Pas exprès. Non, mais en vrai, c'est vrai que le Renault, il a. Ouais. Faut qu'on le change, ce Renault, les gars. Pas grave, dans tous les cas, faut qu'on le change, donc même s'il est éclaté, on s'en fout. Ah, nickel. Ah, ouais, la parcelle, elle est grande en plus, hein. Ça va. Ça va, mais qu'est-ce quoi. Hein. Pour 13 000 euros, ça va. Hein. En vrai, le prix est pas trop cher. Oui, oui. Donc voilà, bon mec, ah non, il y avait une entrée là. Ah, mais cette entrée elle est trop bien, mec. Oh, mec, il y a une entrée ici. Tu reverras bien. Ah, ouais, elle est sympa l'entrée. Ça fait une petite allée dans de côté un peu forêt. Ouais, ouais. Je sais pas, ça fait stylé. Du coup, ceux qui demandent la map, on est sur les Vallons de Lin. Hein. Je le dis à chaque fois, mais bon, là il y avait les Vallons de Lin. Donc, puis, vous pourrez trouver ça sur mon site si vous voulez, les amis. Donc voilà, mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter parce que je crois que moi je suis à 28 minutes de vidéo. Bon, même s'il y a des accélérés, on a un petit peu moins, mais du coup, on va s'arrêter. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo vraiment. Voilà, c'est vraiment une vidéo à la cool, mais voilà, on peut parler un peu de tout et de rien. Voilà, on parle tranquillement. Ouais. Allo, bonjour. Quand on parle du loup, qu'est-ce qui se passe de beau chez vous? Bah écoute, on bosse. L'argent arrive. Mec, attends, si tu savais, j'ai vendu une benne de soja, 30 000 euros, mec. Au moins, ouais, c'est bah, ce que t'as mis. 50 000 euros, nous, la benne, on l'a vendu. Ouais, mais bon, vous avez pas la même benne. Ça, ouais. Mais du coup, mais je me suis acheté mon semoir, au passage. Ouais, bah nous, du coup, on a vendu le Fiat pour 44 000 euros. Donc, Attends, je vais voir ce qui se passe dans ta ferme, parce que du coup, ma vidéo, j'ai pratiquement terminé. Après, les gars, on ira voir la ferme. Bah, nous aussi, ouais. Alors, attends, je vais voir la ferme des Américains, comme je disais. Ah oui, en fait, je te demandais pour l'ensileuse. Moi, je comptais acheter une ensileuse en Kuma. Enfin, tout seul, c'est compliqué. Mais en Kuma, ça nous fera un prix divisé par deux. Ah, il est joli ton petit tracteur là. Sympa. Mais c'est peut-être qu'on a gagné. Ouais. Bah, il est sympa. Ça vaut le coup de gagner des défis. Ah bah oui, du coup voilà, nickel. Et j'y fit ou j'y fit? Mais qui attends, je suis en train de payer, moi, je suis payeuse. Ah, il paye. Ah, mais attends, mais celui-là, tu l'as acheté celui-là? Non. C'est celui qu'on avait. Mais on a vendu le vieux, le F110, on l'a vendu pour 44 000 euros du coup, parce qu'on a changé. Voilà. Ok. On a mis le bâti de chargeur sur celui-là pour pouvoir avoir un tracteur, avec un chargeur. D'accord. Voilà. Ok. Et là, on a fertilisé tous les champs d'herbe, question qu'on soit au max au niveau rendement pour l'herbe. Ok, d'accord. Bah, nous, on a acheté un champ d'herbe. Okay. Un tout petit, hein, mais on en a acheté un quand même. Un tout petit. Ok, ouais. Attends. Et du coup, on a vendu 12 ou combien 0, 12 000 euros de paille.
De quoi? Ouais, 12-13 000 euros de paille, c'est ça. 12-13 000 euros de paille. Ça va. Et on a l'avoine, en tant que le prix monte pour l'avoine, on ira vendre la benne. Ok, ah, ok, ok, ok. D'accord, bah écoute, non, on verra bien. On a bien bossé. Et voilà, bah écoute, nickel. Bon, bah du coup, t'as terminé ta vidéo, parce que du coup, on peut se dire au revoir maintenant si tu veux. Ouais, on va y arrêter là, c'est pas mal. Voilà, voilà. C'est pas mal. Bon, vas-y, bah du coup, bah, en vrai, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci. Carrément, merci à tous. En vrai, mec, ouais. Ton, je le veux, ton New Holland, il est stylé. Non. Il est vrai, ah, ça y est, là. Ah, ouais, Dylan, t'inquiète pas, on s'achètera. Ou pas. Ouais, t'inquiète. Ah, bah, déjà, avec le Renault, je me suis retourné 12 fois, là, c'est bon. Si t'as l'argent, c'est bon. Si t'as l'argent, c'est bon, ouais. Non, ah, oui, trop d'argent. Là, c'est compliqué. Là. Mais bon, t'inquiète. Là, c'est compliqué. Bon, bah, du coup, les amis, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à AJP. Merci à tous, ouais. Et bah écoutez, mettez des petits pouces bleus, il y en a qui ont des commentaires. Oui, pour le défi du coup, défi de bot, n'hésitez pas à proposer un commentaire en commentaire qu'est-ce qu'on gagnerait, qu'est-ce qu'on perdrait. Ouais, des récompenses, tout simplement. Voilà, voilà. Les récompenses, voilà. Voilà, voilà. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu tout le monde. C'était Starvio et Gifit et Ced et enfin tout le monde quoi. Et Zero et Dylan. A la prochaine, les gars. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Salut, ciao. Ciao tout le monde.